Quand il le souhaite, quand il le souhaite. Voilà, là, la voile monte bien, c'est parfait. Il peut prendre de la vitesse, c'est génial. Alors, il est un excellent pilote. Il a beaucoup secondé Francis Hellman, qui, je vous rappelle, est une des grandes stars des déguisements de la Coupe Picard. Et là, les applaudissements étaient vraiment mérités. Stéphane Grégoire aux commandes de la mascotte de Alpizer. Alors on a 233. C'est donc les sorties de Potter. Et ben, tu sais quoi? Tu es hyper bien placé pour. Voilà, cours à droite, lâche les avant. Allez, cours jusqu'au bout. Bravo. Voilà, il va falloir qu'il apprenne à pas tirer sur ses avances, ce jeune homme. Tranquillou, tranquillou, cours un peu à gauche. Voilà. Et on court jusqu'au bout. Ils sont incroyables, les sorciers Top Quater. Ça se passe bien. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça marche, ça marche. Il y a trois anneaux, quatre anneaux. C'est bien. C'est trop bien. Et on court jusqu'au bout. Eh ben, on les applaudit, ils l'ont mérité. Il aura fallu de l'endurance. On réceptionne et on y va tranquillement, en prenant de la vitesse. C'est magnifique et gracieux. Cette jeune fille a très bien joué son rôle. Oui. Et toujours le sorcier Duff Potter. Allez, le nom. Encore, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Excellent. Ouais. C'est bien. La gentillesse de voler à nos couleurs. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a réussi avec l'appareil de photo. Il a réussi. Oh, extraordinaire. Nous avons là l'un des grands déguisements de cette année. Regardez, admirez la technique, admirez la technique. J'ai réussi à me libérer de vos chaînes. Mais nombre d'entre nous, les animaux, souffrent encore de votre monde humain. Du labyrinthe s'échapper, pardon, du labyrinthe du Minotaure. Icare, grisé par le vol et l'attitude, oublie l'interdit de son père de s'accrocher trop près. Soleil, ah, voilà, il y a un grand bravo. Magnifique. Suffisamment doté de malice et d'inventivité pour faire d'un rêve ambitieux une réalité magique. Oh, je ne regrette rien. Oui, si. Rien pour ma mère, ni le mal. Ah, on y va là, si t'attends encore. Tu vas courir le créneau du jour. Et répand les cumulus synonymes de beau temps sur les chaînes de Chartreuse Belledonne. On court à droite. Parfait. On relève les mains un peu. On court, on court, on court. Ils ont réussi leur challenge! Magnifique prestation! Et la voile monte bien, c'est parfait. Encore, encore. On lâche les avant, on freine l'aile et on court jusqu'au bout. On court jusqu'au bout, on court jusqu'au bout. Magnifique! Avec un déguisement qui ne fait pas l'impasse sur la sécurité. C'est trop bon, avec un parachute de secours, un casque en biodiversité. Non, c'est vraiment bien. Et... allez, ma jeune fille, prenne ton aile, prenne ton aile, relève doucement les mains. Et on court jusqu'au bout. Superbe. Oui, la voile monte bien. Prenne l'aile. Oh là là, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Le décollage glissé. Décolle. Attention les mini-voiles, c'est parti, deux champions de mini-voiles qui les suivent. Extraordinaire.
Oui. Voilà. Le pilote de ce biplace, c'est Nénès. Première, hein, pour le. Oh, c'est bien. Oh oui, c'est bien. On continue à courir, non? Eh ben, quelle classe. C'est un magnifique déguisement ciselé. Oui. Bravo, et c'est vraiment conforme à Léonard de Vinci, donc sa voix est magnifique aussi. Et il est parti dans le bon créneau aérologique. Ouais. C'est dommage, il y a des assistants qui n'ont pas conscience de leur rôle et qui ont failli accrocher là. Ouais. Alors, il y a... Freine. Eh oui, superbe. Elle est magnifique, cette aile. Extraordinaire. Hein. Vraiment, là, on est arrivé à une qualité de reproduction. Il y a de l'audace. Thank you.
Thank you.